Alors, bonjour tout le monde. Je vois que les gens arrivent tranquillement. Je vais commencer pour présenter un peu notre activité, notre événement aujourd'hui. Et je vais commencer avec une présentation de moi-même. So I'm going to start by welcoming you and just telling you quickly who I am as the first speaker. My name is Nick Luca. I'm the interim director of the Center for Interdisciplinary Research on Montreal. And I'm also a professor of architecture and urban planning here at McGill University. Bienvenue tout le monde. Mon rôle ici est vraiment juste d'accueillir et de dire un chaleureux merci aux participants, soit nos panélistes et vous autres, l'audience, pour votre participation. So I'm very pleased to welcome all of you as panelists and, of course, all of you in the audience. Le CRIEM, je vais brièvement expliquer qu'est-ce que c'est le Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises. En français, c'est un centre de recherche qui favorise la mise sur pied des projets concrets qui, tout en profitant des connaissances produites au sein de l'université, toucheront la vie quotidienne de Montréalaise avec deux objectifs. Soit de stimuler la recherche émergente en études montréalaises et fédérer celle qui se fait au sein des différentes disciplines et différentes universités à Montréal et ailleurs, et de développer des partenariats, des thématiques et des projets de recherche fondamentales et appliquées avec des milieux économiques, sociaux, culturels et gouvernementaux de Montréal. So our mission is broad, but mainly as a federating entity to bring together communities of practice. And to particularly make links between McGill University and the other Montreal universities for individuals and groups who are interested in everyday life and the quality of life in Montreal and, of course, on Montreal. Je veux juste préciser que, comme vous avez vu, l'événement se déroulera en anglais et en français selon la langue privilégiée par les intervenants. Donc, gênez-vous pas de parler soit en anglais, soit en français. So that's just to say the event's going to take place in both English and French. Please don't be shy about speaking in whichever language you are most comfortable in speaking. The event is also being registered, recorded for diffusion afterwards. So l'événement est enregistré pour fin de diffusion ultérieure. And finally, I will turn the word over to Philip Howard, my colleague in Integrated Studies and Education, who is our excellent animator and host for today's activity. Thank you so much for being here. Thank you, Philip. Merci, Nick. Bonjour, tout le monde. I'd like to start by acknowledging that, to my knowledge, each of us speaks from the unceded land of the Ganyangahaga in Jyotiake, otherwise known as Montreal. As I think about my relationships to land here, I note that McGill University, the university context within which this event takes place, sits on the unceded land and was made possible of the Ganyangahaga and was made possible through the proceeds from the enslavement of Black and Indigenous people. Specifically, James McGill, founder of the university, was a slave owner who also profited from trading in goods produced by enslaved Africans on plantations in the West Indies, where my ancestors were enslaved. It is our obligation then in this space to acknowledge our various unequal levels of implication in the ongoing settler-colonial relations that are constitutive of this space, and to be accountable with respect to the multiple struggles for justice on this land, of which decolonization and Black freedom are central. I always like to point out when I teach or when I speak publicly that I do not undertake an acknowledgement of this sort as a formality that we get out of the way, as much as these kinds of statements have become trendy. Rather, my intention is that such an acknowledgement remind us of the broader social and political context within which a particular event is taking place. A context that has become so normalized as to easily escape our attention. The settler colonial reality that frames our existence is always already salient to whatever takes place in these lands. Our conversation today is no exception. It centers around issues of race, crime, and gentrification as they apply to Chicago and Montreal, both urban settings embroiled in the afterlife of slavery and the ongoing colonization of Indigenous land. The concept race, particularly as it applies to Black people,
only draws significance through its relation to civilizing discourses that enabled land appropriation, the transatlantic slave trade, chattel enslavement, which made African people into both labor and commodity, and later migratory movements that are the direct result of the relations of racial capitalism. The concept of crime calls upon us to think more broadly about criminalization, the ways in which fundamentally some person's very existence makes them illegal, even as state violence, unrecognized as criminal, makes their lives precarious. The concept of gentrification, in turn, is incomprehensible outside of the colonial relations that displace indigenous people, expropriate indigenous land, and turn it into commodities subject to private ownership. It is animated by the long afterlife of slavery that perpetually makes Black persons out of place, displaceable, and disposable. It resonates with inherently racial questions of development. Reading Us Versus Them reinforced for me how deeply intertwined and frankly inextricable are the issues of race, crime, property, housing, and policing, whether taking the form of state policing or civic neighborhood watch and other ostensibly safety interventions. I look forward to our conversation today. Importantly, today we will consider what we in Montreal might learn from a study of race, crime, and gentrification in the Chicago context. Traditionally, an important cornerstone for constructing Canadian identity has been to define it as not the United States. Similarly, Quebec identity is often constructed in opposition to Anglophone Canada, and therefore more strongly in opposition to the United States. Canadians have particularly insisted upon these sharp binaries with respect to the question of race and racism. Yet, as Black communities in Canada have argued, and more importantly experienced, the political, geographical, and ideological borders between Canada and the United States are remarkably porous from the perspective of colonialism and anti-Black racism. This has been painfully demonstrated in the conditions surrounding the deaths at the hands of police or in police custody of George Floyd, Breonna Taylor, and so many others before them in the United States on one hand, and those of Sheffield Matthews, Regis Korshinsky-Paquette, Anthony Oust, Rodney Levi, and so many other Black and Indigenous people in Canada. And I note that all of these have happened just in 2020. I am pleased that we're attending today to the generative possibilities of this relational conversation across geographies. Now, as moderator this morning, I have the unenviable task of keeping the event reasonably on time. I request your kind cooperation. The author will have 15 minutes to present the book, and thereafter the commentators will each have 5 minutes to present a response. At approximately 1 minute before the end of each speaker's allotted time, I will play a gentle chime that will be an indication that the speaker should wrap up within a minute. The chime will play again, or I will endeavor to play it again, when the time is up. And the chime sounds like this. So without any further ado, I would like to introduce the author of Us Versus Them, Professor Jan Doering. Jan Doering is a professor in the Department of Sociology at McGill University. Jan is interested in racial and ethnic issues, migration, and urban change. After more than 3.5 years of ethnographic work, he published the book Us Versus Them, Race, Crime, and Gentrification in Chicago Neighborhoods. In addition to his involvement with CIRM, Jan Doering has been working as a regular researcher at the Centre International de Criminologie Comparée de l'Université de Montréal since 2017. And I hand the floor over to Jan. Thank you so much, Philip. I was already very excited about this event before and after your introduction, which really gave me an opportunity to return to the big picture in which these conversations and topics are all embedded. I'm even more excited. So thank you very much for this. I will share my screen. Here we go. So
Hello, everyone. Before I talk about my book, I really have to thank you for making this wonderful event possible. Thanks to the CRIEM team for organizing the event. I know that Stéphane and Caroline have worked very hard on this, and I'm sure there's been a lot of work behind the scenes that I'm not even aware of. I would also really like to thank the panelists for taking the time to read the book and for agreeing to join this event. It's really very, very kind of you. I know these are very difficult times to set time aside for such an event. I'm really very excited to learn from you about Montreal and what particular consequences, the lessons that my book has taught me about Chicago neighborhoods, how that might resonate, and what kinds of questions one might want then ask about Montreal. I have to admit that I'm not yet versed with Montreal to a point where I would really be able to say that and to have a particular assumption about that question. And so I'm really excited to learning more in relation to that question. And so also I would like to thank the members of the audience for overcoming Zoom fatigue and joining the event today. I saw that there are a few of my students there, despite the fact that they soon have to start their final exam. Some of my colleagues are here, people who are not affiliated with the universities, I'm sure I hear. Thank you for your interest, and I hope you'll get something out of it. So I've been asked to give a brief overview of the book, and I will do this very quickly just to give you a teaser. Don't worry, I'm not going to talk for very long. So this book, Us Versus Them, looks at conflicts over issues of race, crime, and gentrification, and it does so in two racially integrated neighborhoods in Chicago. You can see them on the map here. These neighborhoods are called Uptown and Rogers Park. I should add that it's actually not all that important that the book is about these particular neighborhoods. If you know the work of W.E.B. Du Bois, the Philadelphia Negro, one of the first early community studies that really rigorously study urban dynamics, is about the African community in Philadelphia. And if you know the book, you know Du Bois zooms in very, very deeply. But his goal in that is not to come out with these contextual details, but to illuminate the big picture. We zoom in to take the general out. And that is also my goal in this book. What kinds of general issues can we learn about by looking in detail at these neighborhoods? So the book is not about these neighborhoods. It's just an opportunity to do these things. And after one has done that, then the important task is to go and ask, how does that apply elsewhere? Or is this specific to these neighborhoods, to this city, to this country that I did the study in? And so I think this event that we're doing here today is actually exactly the right thing to think about the boundary conditions of this work. In terms of its approach, the book is an ethnography. Philip has already mentioned this. Just in case you don't know what this is, it simply means that one immerses oneself in a particular space over several years with people and watches them do what they do and listens to them talk their talk to learn about what kinds of people these are, what their issues are, how they see their lives, how they see other people around them, and how they deal with problems that occur. And of course, I did this in particular in relation to these issues that I'm interested in relation to race, in relation to crime, and in relation to gentrification. The point of departure for the book is that in the United States in particular, the issues of crime, race, and neighborhood change are very closely connected to one another. It's a fact, a well-demonstrated fact, that white Americans tend to be quite afraid of Black crime, and this makes it very, very difficult to have racially diverse neighborhoods. Even small amounts of crime can destabilize neighborhoods such that people feel they can no longer live together. And the neighborhoods I studied are integrated, and they have been for a while, but they do have a gang presence in some amount of street crime. About 5 people were killed and many more were wounded in each neighborhood every year. Almost all of them were Black or Latino people. And so a general conflict plays out in these two neighborhoods quite regularly. It's the biggest dividing line within these neighborhoods. Some people, most of them white, lobby for more aggressive policing, for reining in crime, by doing that by any means that they have at their disposal. But on the other side, there are the gentrification critics who charge that the fight against crime in these neighborhoods doesn't really actually try to make anyone safer, and that it's actually about intimidating, incarcerating, or simply displacing Black people and low-income people from the neighborhood.
So this is where the links, where the book's link between gentrification and race comes in. And indeed, I do find in the book, and I will show you this briefly in a minute, I do find in the book that on that issue in particular, the gentrification critics are right. The fight against crime, these aggressive measures that people in these neighborhoods take to fight crime, does displace people from the neighborhood, including people who are demonstrably not involved in crime and have never been involved in crime. And so I think one of the main contributions of the book is to show exactly how that happens, right? How does the fight against crime displace and marginalize Black people within these neighborhoods? I think that this argument is quite relevant to current debates over systemic racism and Black Lives Matter. My point here is quite simple, and that is, in order to understand the harm that policing does to Black people in the US and in Canada one should add Indigenous people in particular. So in order to understand that racial harm that policing produces, it's not enough to look only at the police. It's important, but it's not enough. When police officers show up somewhere, this is usually the case because residents have called the police. And so racial bias does not begin all of a sudden when the police show up, but it also plays out earlier when people make decisions about what is suspicious, what is acceptable, how the police should be used. And something that I show in the book is that people who try to reduce crime in these neighborhoods have quite a bit of influence over neighborhood change and the people who get to live in these neighborhoods. They sometimes get people evicted from their homes. Of course, they get people evicted. They get them banned from particular public spaces like basketball courts or shopping malls. They get them harassed by the police by intensifying policing in particular areas that they consider to be in need of additional policing. And all of these things affect not only Black residents, also white residents, but they do affect Black residents disproportionately, right? The brunt of this cost is borne by Black residents in these neighborhoods. I'll just give you an example of this impact that the fight against crime has on racial marginalization. Sometimes public safety activists can get entire buildings gentrified and their residents displaced. This is the case for this particular building here. This building actually used to house Charlie Chaplin in the 1920s when he shot silent film movies there. But over long, long years, it just became more run down and it kind of became a tenement house, a house of last resort where people could live who can't afford to live anywhere else. And allegedly, people, according to people who are concerned about crime in the neighborhood, it was also an anchor of crime in the neighborhood. So they started a campaign to target this particular building. They held neighborhood watch events across from it, and they made a big campaign to call 911 about the building as much as possible. For example, during the summer, it gets quite hot in Chicago, and so tenants from this building will sit outside on the sidewalk to enjoy relative coolness and to socialize. You can call the police about that and say that people are blocking the public sidewalk. And this is something that public safety activists did. And so you have this number of 911 complaints that stacks up in relation to this building. And after about a year, the safety activists who were running this campaign called on the city to do something about this apparently out of control building that generates this enormous number of 911 calls. Of course, these safety activists had produced many of these calls themselves, but that didn't matter. The record of these calls mattered. And so the city councilor and the city institutions obliged them and tried to hold the landlord accountable. So the city put pressure on the landlord, and the landlord was not able to mitigate these problems that had been complained about. So the case went to court. It became clear that the owner would probably lose the building in housing court. And so in order to prevent that, he decided to sell the building. He sold the building to a developer, which meant that all current tenants were evicted. Their leases were canceled, and later the building was reopened, completely renovated. Here are now pictures from what this building looks like today. On the ground floor of this building, you now have a coffee shop and a cocktail bar
named Larry's, quite fashionable as you can see. So you see here that this is a textbook case of gentrification. In fact, it's so textbook that it might look like a caricature that I'm making for use in sort of overstating my point, but that's actually what it looks like now. So this case shows you that safety activists can have quite a bit of impact on neighborhoods with the help of the police. They can get quite a lot done. In this case, what they got done was that hundreds of low-income tenants, many of them Black, were displaced as a result of the safety initiatives. So you can see the fight against crime is linked to gentrification and to race. But of course, there's also resistance against these efforts to use the police in the service of gentrifying the neighborhood. And sometimes I find that this resistance is successful. So the book describes conflict over these issues, when people held others to account for when they would call the police, how much they would call the police, what kinds of policing they would ask for. These were conflicts that played out at community meetings. They played out during during conversations between neighbors, between electoral campaigns, when people were campaigning to represent this neighborhood in the city council. These debates were omnipresent. And the general topic in these debates was racism, right? It could also have been classism, because the people who were displaced were cohesively low income, but race is the more powerful political symbol. Today, almost no one is comfortable being called a racist, and only very few people would accept to think of themselves as racists. So a plausible charge of racism can sometimes produce effective public pressure and lead to changes. An elected representative might be asked to step down, and a housing developer, for example, might be required to add more affordable housing units. I saw all of these things happening during my fieldwork. And it seems to me, after having done this fieldwork, that the most effective tool that anti-gentrification activists have at their disposal is to find these rare moments where you can explicitly see racism in operations, so that people can be challenged over them, because then they can be held accountable and they can be pushed into making some remedial action. I should say that this is entirely separate from systemic racism. This, we're here talking about traditional racism in the form of hatred or fear of people of color. Systemic racism was a huge problem in Rogers Park and Uptown, and mainly remained amorphous and uncontested because people didn't know how to contest it. But individuals who engage in behavior that can seem racist, that is contestable. And for that reason, these things are quite powerful politically. If I have time, I'll just give you a couple of examples to give you a taste of that, of these conflicts. Here's one. One thing that the public safety activists, the anti-crime activists in these neighborhoods did, was a practice that they called positive loitering. That's essentially a form of public neighborhood watch. Positive loiterers stand on street corners so that gang members can't assemble there. And if these positive loiterers see something they consider suspicious, they call the police. They're not very discriminating in that. They'll try to call the police as much as possible while they're out. This picture here is from a group I don't describe in the book, and so I can show it without giving away the identities of study participants. So as you can imagine, this is something that sparks a lot of conflict. Pedestrians walking by or activists at meetings frequently charge that positive loitering is racist. One of the pieces of evidence that they draw on is that these groups are usually all white or almost entirely white. And so there's a lot of pushing and pulling behind the scenes where positive loiterers know that, and they try to get Black neighbors, Black residents out to join them in order for them not to be able to be charged with racism. Black participants at these events would help them be protected from racism. And so the few Black people who are interested in becoming involved in this work are highly coveted by the public safety activists. Everybody wants them to join their events. Just a second example, really quick. These debates over what we should do about crime and whether aggressive forms to do so are racist or not play out all the time during electoral campaigning, during pretty much every electoral campaign. When candidates try to unseat an incumbent city councilor,
they will often try to blame the incumbent for a crime in the neighborhood. Of course, an incumbent is not a police officer, but residents nonetheless often hold city councilors responsible for crime in the neighborhood. And so candidates try to tap into this discontent, often quite aggressively, as you can see here in these flyers. These are flyers that one candidate sent out. He focuses on fear, gangs, vacancy. In this flyer in the middle there, you can see crimes by intersection. It is very much intended to make people weary of crime, afraid of crime, and to choose the option of heavy-handed policing in the interest of their safety and their family's safety. Of course, you can easily imagine race is studiously avoided in these flyers. There's absolutely no mention of race. But there's a lot of back and forth about symbolic representations of race in these kinds of documents, where activists are in a more powerful position if they can demonstrate that this is not only about crime, but there is race in it. And I have a lot of examples of that in the book. And just a final example, there were conflicts over the use of public space. There was very tense conflict over this basketball court that you can see here. It's mostly used by Black residents, but some residents of this area, most of them white, claim that this is a gang hangout spot, and they were able to convince their city councilor to close this basketball court down. So anti-gentrification activists did a lot to try to prove that this intervention was about race and not about class. And they were successful when the city councilor, when he gave an interview, threatened the journalists by saying, if you make the story about race, I won't talk to you again, right? And by doing that, he shot himself in the foot. He suggested that race may have, after all, had something to do with it. The journalists, good journalists as they were, reported this, right? He threatened us, don't make the story about race. And the entire city apparatus moved away from the city councilor and reinstalled these basketball hoops against the will of this alderman. So in this case, successful resistance was possible because the city councilor was not careful about how he phrased his urban intervention. So this just gives you a flavor of the kinds of things that I'm doing in the book. I'm doing this, of course, in more detail. I'm doing this with more cases. I'm doing some other things that I'm not talking about here at all. If you're interested, I hope that you can find some time to take a closer look at it, but I'll end it here because mainly I'm very excited to hear your thoughts, comments, and questions as they relate to Montreal and how we might be able to translate these findings. Thank you. Thank you, Jan. Our next speaker is Mélissa Côté-Douillon. Mélissa Côté-Douillon est vice-présidente Conseil de Montréalaise. Elle est détentrice d'une maîtrise en urbanisme et candidate au doctorat en études urbaines à l'Institut national de la recherche scientifique. Ses recherches portent sur les enjeux d'égalité entre les hommes et les femmes dans la planification urbaine. Elle est également vice-présidente du Conseil de Montréalaise. De plus, elle travaille comme consultante sur des projets portant sur la participation des femmes dans le développement urbain et comme formatrice en analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle. Mélissa, on vous passe la parole. Merci, Philippe. Donc, je vous parle aujourd'hui de mon point de vue de vice-présidente du Conseil des Montréalaises. Au Conseil des Montréalaises, c'est une instance consultative de la Ville de Montréal qui donne des avis sur l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi entre toutes les femmes. Donc, c'est sous cet angle-là que je vais aborder certaines thématiques du livre qui ouvrent certaines pistes de réflexion en termes d'égalité, d'après moi. Je me suis concentrée sur deux pistes seulement parce que... le livre évoque beaucoup, beaucoup d'enjeux en termes d'égalité. La première piste que je veux aborder, c'est celle qui découle de l'activité de flânage positif. Comme Yann vient de présenter, cette activité m'a particulièrement interpellée parce que pour les chercheuses féministes qui ont travaillé sur l'urbain, sur les villes, sur les territoires, l'idée de flânerie, l'image du flâneur, elle met en évidence comment l'appropriation des espaces publics elle est différenciée selon les rôles de genre qui sont attribués aux hommes et aux femmes.
Les femmes sont évidemment des usagères de l'espace public, mais certaines études montrent combien leur pratique urbaine, sur leur pratique urbaine, montrent comment leurs déplacements, eh bien, ils sont particulièrement purpose-defined, c'est-à-dire qu'elles utiliseraient les espaces publics à des fins plus précises et fonctionnelles. On voit un lien direct avec le fait que les femmes ont été historiquement assignées à des espaces plus circonscrits, souvent privés, mais aussi au fait que les femmes sont encore aujourd'hui, ont la plus grande majorité de la responsabilité en termes de tâches de soins. Évidemment, les hommes sont de plus en plus impliqués, mais statistiquement, il y a un écart qui est grand et qui demeure. Donc, dans cet ordre-là, la flânerie, elle est difficilement envisageable pour les femmes. Janet Wolf parlait même de l'invisible flâneuse. Mais la flânerie aussi, c'est particulièrement suspect pour certaines femmes en particulier. On peut évidemment penser aux femmes travailleuses du sexe, mais aussi on peut penser au rapport de recherche sur le rapport de recherche indépendant sur les pratiques d'interpellation du SPVM. Dans ce rapport, on rapportait que les femmes autochtones ont 11 fois plus de chances de se faire interpeller par le SPVM que les personnes blanches. Le projet Iskeo, qui est un projet du foyer pour femmes autochtones de Montréal, a sorti un document qui présente un certain nombre de recommandations pour la ville et le SPVM. Et dans ce document, on parle de combien le profilage social et racial il place les forces de l'ordre dans la vie des femmes autochtones et combien ça fait en sorte que ces femmes-là, il y a un impact direct et négatif sur la sécurité de ces femmes-là. Si on mettait au cœur des interventions publiques la sécurité des femmes autochtones, la régulation de l'espace public se ferait d'une manière tout à fait différente. C'est ça qui m'amène à ma deuxième piste de réflexion sur le sentiment de sécurité des femmes et comment ce sentiment de sécurité peut parfois être instrumentalisé. Dans les livres, l'auteur décrit comment les élus locaux vont chercher à se faire élire en mettant de l'avant la lutte contre la criminalité. Certaines images qui sont mobilisées montrent des femmes qui s'inquiètent pour leur sécurité. Notamment, il y en a une où on voit une femme apeurée par l'ombre d'un homme derrière elle. Donc, ce passage du livre, ça m'amène à vous parler de comment certaines chercheuses, penseuses féministes de la gentrification considèrent que c'est un processus qui s'articule autour d'une certaine idéologie de genre. Par exemple, Leslie Kern parle d'un paysage urbain féminisé pour illustrer combien la relocalisation au cœur des villes des classes moyennes blanches dans des condos, eh bien, ça fait l'objet d'un travail de marketing qui vise des femmes seules, des femmes qui travaillent et qui consomment. Ce sont des femmes émancipées, mais qui auraient quand même un besoin de vivre dans un environnement sécuritaire. Et c'est ce que la vie en condo offre, ou du moins c'est ce qu'on va essayer de leur vendre, avec des cartes électroniques, des caméras de surveillance, etc. Dans ce cas-ci, le sentiment de sécurité des femmes va être utilisé pour justifier une certaine sécurisation de l'espace urbain par des environnements bâtis qui cherchent à isoler les classes moyennes du désordre urbain. Et ça, même si l'endroit où les femmes sont le moins en sécurité, c'est encore et toujours chez elles, dans leur logement. Et à ce sujet, les groupes de femmes à Montréal et au Québec ne sont pas dupes. Elles travaillent sur ces questions depuis plusieurs années, notamment, dernièrement, on a eu un rapport sur la sécurité des femmes dans les OSBL d'habitation. Bref, ce que je voulais évoquer rapidement, c'est combien la question du logement, la question de la gentrification, c'est un processus qui est aussi empreint par les rapports de genre, tout comme les questions de classe sociale et de race, comme Yann l'a absolument démontré dans son livre. Merci, Mélissa. Next speaker is Hélène Bélanger. Hélène Bélanger est professeure au département d'études urbaines et touristiques de l'ESJ UQAM. Hélène Bélanger s'intéresse aux espaces publics, à la gentrification, au logement, ainsi qu'aux relations individu-environnement résidentiel. Elle est membre du collectif de recherche et d'action sur l'habit, ainsi que du réseau Ville-Région-Monde. Hélène.
Merci Philippe. Bonjour tout le monde. J'aimerais d'abord remercier le CRIEM pour cette invitation à commenter l'ouvrage de Yann. Et j'aimerais remercier Yann pour de nous partager en fait cette riche ethnographie que j'ai eu énormément de plaisir à lire. Pour ma part, c'est à partir des travaux sur le Mexique en fait que j'ai été sensibilisée à la question du racisme envers les populations autochtones dans les processus de gentrification. Et mes observations à partir de mes cas mexicains et certaines lectures phares, dont celle de l'ouvrage de Streetwise de Anderson, ont développé quand même mon regard critique sur le partage de l'espace urbain, le partage des environnements résidentiels, incluant les espaces publics, non seulement ce qui a trait aux populations racialisées, mais également les populations marginalisées en général, qui sont souvent présentes dans mes terrains montréalais. Donc, dans la lecture de l'ouvrage de Yann, je me suis particulièrement intéressée à deux dimensions du partage de l'espace, soit la question de la mixité sociale programmée ou facilitée, favorisée par les acteurs publics, ainsi que la question de la cohabitation, la coexistence et les conflits dans les espaces publics en général, incluant les rues et les trottoirs. Si je commence par la mixité sociale programmée, bon, je suis assez critique face aux supposées vertus théoriques des mixités sociales programmées, notamment pour les questions de flou qui entourent le concept de mixité en général, tout ce qui concerne le niveau souhaitable de mixité, les questions d'échelle. Donc, quand je parle de mixité, c'est vraiment les quartiers intégrés dont parle Yann dans son ouvrage. Les travaux montrent souvent des résultats contradictoires pour les populations qui sont économiquement déségrégées et racialement déségrégées, et il peut même avoir des effets dramatiques pour les populations qui sont évincées pour faire place à des populations plus fortunées et blanches, dans le cas de certains quartiers, dont les quartiers qui ont été étudiés par Yann, et ainsi que d'autres quartiers, notamment Chicago, qui ont été assez bien documentés, notamment dans les travaux de Chaskin et Joseph. Yann ne s'attarde pas spécifiquement sur les projets de mixité sociale programmée, mais sur le vécu de la transformation des quartiers des suites d'un processus de gentrification, processus qui est encouragé, même initié par les pouvoirs publics, à travers la lunette des défis et des neutralisations raciales. Donc, sous les couverts de vertus d'intégration, des vertus du vivre ensemble, l'intégration raciale à l'échelle des quartiers, tout comme la mixité socio-économique, semble davantage visée à une invisibilisation par la dispersion ou par l'invasion des milieux résidentiels sans s'attaquer aux problèmes sociaux à l'origine de la pauvreté et de la criminalité dans ces quartiers-là. Donc, on tente de régler spatialement des problèmes sociaux. Ainsi, les résidents pauvres et les résidents racialisés des deux quartiers étudiés par Yann font face à des dynamiques de marginalisation et de criminalisation pouvant faciliter des objectifs de rénoviction trop souvent abusives avec l'ensemble de tactiques qu'il a démontrées, qui sont très imaginatives et même douteuses, des tactiques qui sont privées et publiques. Les quartiers, c'est vrai, font face à des problèmes de violence qu'il ne faut pas négliger, et le travail de Yann contribue à bien mettre en lumière les limites, en fait, de la position de nombreux acteurs publics et de certains groupes de la société civile qui visent la sécurité pour toutes et pour tous, tout en négligeant de s'attaquer aux racines du problème de concentration de la pauvreté, mais non seulement de la concentration de la pauvreté dans ces quartiers-là, mais de la pauvreté en tant que telle, auquel fait face de façon disproportionnée la population noire. Donc, on tente tout simplement de la disperser, de l'invisibiliser et de la criminaliser à travers ses actes quotidiens. Et on voit aussi que l'accès au logement social pour ces populations-là, dans les quartiers en transformation, est tout sauf garant de l'inclusion de ces résidents à la vie des quartiers. Et d'autant plus que l'accès à ce logement, le logement abordable ou le logement social, est fragilisé par la dynamique de gentrification qui est souhaitée par les acteurs publics et par les résidents plus fortunés et blancs qui sont dans ces quartiers-là. De l'autre côté, comme je m'intéresse par ailleurs au partage des espaces publics dans les quartiers en gentrification, j'ai été particulièrement interpellée par le travail ethnographique de flânerie positive que Yann documente dans son ouvrage. Si ces activités de flânerie positive visent, selon le discours des pratiquants, à reprendre le territoire face aux gangs criminalisés et à assurer la sécurité pour toutes et tous dans les quartiers. Mais on voit bien dans le travail de Yann comment le corps noir n'a pas les mêmes droits de pratique de l'espace, soit parce qu'il pratique l'espace différemment dans la légalité,
soit tout simplement parce que sa pratique est visible, parce que son corps est noir ou parce que son corps s'inscrit dans la pauvreté. Donc, Yann fait la démonstration du rétrécissement de ce que j'appelle le registre des pratiques acceptables des espaces publics. Et les défirations dans ces espaces publics-là, donc la réaction de certains résidents, n'est pas sans me rappeler le concept de résilience de prestige de Van der Berg. Donc, ce refus, en fait, des individus d'être diminués sur une certaine échelle de prestige dans la hiérarchie sociale, soit par la contre-attaque, comme le jeune ayant crié Trayvon Martin a fait, soit encore par l'ignorance de l'attaque, comme dans le cas du retour des jeunes noirs sur le terrain de basket après la remise des anneaux. Finalement, j'aimerais aussi souligner l'importance d'éclairer l'ambivalence chez certains résidents quant aux transformations de l'environnement physique et social des quartiers à gentrification, ce que l'ethnographie de Yann a bien mis en évidence. Donc, au-delà de la position de certains gentrifieurs, donc de vouloir protéger les populations résidentes de l'éviction, l'intérêt pour moi, c'est de comprendre aussi et documenter l'ambivalence des gentrifiés, comment elle doit être vue, non pas comme une justification de la gentrification ou de ses bienfaits de la gentrification, et qui pourrait être une entrave, en fait, dans les objectifs de lutte pour le droit au logement ou le droit à la ville, mais je trouve que cette ambivalence-là illustre l'échec de tenter de régler par le spatial des problèmes sociaux. Comment? Mais si on ajoute en fait qu'un droit au logement qui est fragilisé par les pressions immobilières qui sont dues à un processus de gentrification, si on ajoute à ça que le droit à la ville est fragilisé par des pratiques spatiales qui sont jugées inacceptables par certains groupes de la population, que ce soit par la couleur de la peau ou autre, c'est peut-être que certains des résidents, ceux qui sont ambivalents face à la gentrification, ne trouvent pas autrement certaines réponses quant à leurs besoins de sécurité, d'entretien, de desserte en service public, etc. Donc, ces besoins ne sont pas satisfaits. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'intérêt des pouvoirs publics de s'attaquer directement aux problèmes de pauvreté, aux problèmes de sous-investissement public dans les quartiers défavorisés, aux problèmes de crise du logement adéquat et abordable pour toutes et tous, et ainsi qu'au racisme systémique. Merci. Merci, Hélène. On va passer la parole à Violaine Jolivet. Violaine Jolivet est professeure agrégée, département de géographie, Université de Montréal. Violaine Jolivet, ainsi que chercheuse au Centre d'études et de recherche internationale, CERIUM. Ses recherches s'articulent autour de deux axes principaux, soit la question des mobilités transnationales et les processus d'exclusion et de ségrégation autour des notions de droit à la ville, de gentrification et de stigmatisation territoriale. Elle est membre du collectif de recherche et d'action sur l'habitat. Violaine, à vous. Merci. Donc moi aussi, je vais remercier les organisatrices et organisateurs de m'avoir conviée à ce panel. Et comme Hélène, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire cette enquête ethnographique très riche, même si la lecture sur livre numérique n'est pas ma préférence, dois-je l'avouer. Mais j'ai trouvé que ce livre a abordé d'une façon extrêmement détaillée un regard ou un angle par son choix méthodologique de s'adresser à ces groupes de citoyens. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé ça très intéressant de rentrer dans le sujet, non pas par le haut ni par le bas, mais dans ce qu'on peut appeler « the messy middle », donc cette espèce de groupes d'individus qui sont étudiés dans le livre et qui sont ni les leaders politiques, ni le citoyen lambda dans la ville, mais bien des structures de communautés, des structures de voisinage et qui montrent, et d'ailleurs Yann le fait en évoquant même Tocqueville dans le livre, qui montre que cette démocratie locale est le ciment quelque part de l'Amérique. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant d'aborder
des sujets aussi importants que le racisme systémique, le refus de voir le privilège blanc, ou ce genre de sujets qui traversent la nation ou les nations nord-américaines, comme on a pu le dire dès l'introduction de ce panel, à travers How It Works on Local Bills. Comment, à l'échelle du quartier, qu'est-ce que ça nous apprend d'aller regarder ce Messy Middle et ces organisations communautaires sur un débat qui dépasse largement l'échelle locale. Alors, comme le disait Hélène, pour qui elle, le livre a fait écho à certains de ses travaux au Mexique, ben, moi, avant de faire des parallèles avec des espaces montréalais, le livre m'a aussi ramené beaucoup à Miami, ville sur laquelle j'ai fait ma thèse. Et notamment, ça m'a ramené beaucoup à Miami pour deux choses. Un chapitre que j'ai beaucoup apprécié, qui est celui sur electoral campaigning, qui explique comment les représentants à l'échelle locale, donc des deux districts, vont aborder la question du crime ou ne pas aborder, ou aborder la question de la race ou ne pas l'aborder, pour pouvoir atteindre en fait le pouvoir. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir cet espace qui sortait un peu des groupes pour montrer comment l'enjeu politique de l'échelle locale était finalement un vecteur de discours, de façon de penser et d'amener ces questions-là. Et notamment, ça m'a beaucoup plu parce que je trouve que ça nous rappelle systématiquement, surtout dans un contexte états-unien, comment la politique urbaine est intimement liée à la ségrégation territoriale. C'est-à-dire que même lors des redécoupages des districts, même lors de... on est systématiquement à chercher des homogénéités de vote. Et là, on est dans deux quartiers où on n'a pas ça. Et on ne peut pas avoir ça parce que justement, ils sont diverse, integrated, whatever. Donc ça, c'était le premier point qui m'a ramené dans cette compréhension de spatial politics. Et le deuxième point, c'est la façon dont les organismes fabriquent des nouvelles formes de gouvernementalité. En fait, comment on est dans quelque chose qui va favoriser l'arrivée des groupes qui ne sont pas élus sur quelque chose qui est le gouvernement du crime ou la façon dont on va l'adresser. Et ça aussi, ça m'a ramené à Miami parce que Miami n'a pas de CAPS, mais il a un NETS, so a Neighborhood Enhancement Team, right? Et qui, globalement, est un appareil, est un dispositif, parlons en français, est un dispositif à l'échelle du quartier, exactement comme le CAPS, qui est fait pour réduire l'espace entre les institutions de discipline, qui sont la police et court enforcement, parce que c'est vraiment important aussi, et ça apparaît dans votre ouvrage, Yann, l'importance de l'inspection des immeubles dans la capacité à faire respecter une forme de qu'est-ce que doit être le quartier. Et ça, bah, ça m'a beaucoup parlé dans votre livre avec des études que j'ai pu faire moi à Miami, où on voit bien que la question des violations des règles de l'habitat sont complètement intégrées dans les théories de la vitre cassée, et on va pouvoir, à travers le logement ou à travers l'habitat, aller adresser des problèmes de sécurité. Tout ça parce qu'on a lancé une coopération entre des groupes qui font de la vigilance active, là, ces fameux positive letter, et la façon dont on va pouvoir jouer sur le déplacement des personnes, et en l'occurrence, des personnes ici africaines, américaines. Et donc, on voit bien comment, à travers votre ethnographie et ce messy middle, cet espace de relation entre les politiques et les citoyens, on a finalement une forme d'instrumentalisation de l'organisation communautaire par ce que Vacan appelle the liberal paternalism, c'est-à-dire comment on va
punir les pauvres, et en l'occurrence les Afro-Américains, parce que qu'on soit dans le South Side où a fait ses recherches vacants, ou dans votre partie au nord de Chicago, on est toujours dans ce même processus où finalement l'organisation de voisinage va répondre à des volontés d'application d'une politique néolibérale, parce que les citoyens vont incorporer finalement des formes d'agir. Les autres points que je voulais aborder avec vous, c'est merci pour la présence de cartes. C'est ma déformation de géographe, mais c'est toujours agréable, surtout dans une ville aussi représentée que Chicago, ce modèle urbain, de savoir où on est. Et donc de voir qu'on est à la fin des inner cities, qu'on est dans des espaces de transition vers sûrement les premières banlieues. Et quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir justement que la composition de ce quartier est très hétérogène, très diverse, et que donc c'est pour vous un des arguments qui explique aussi la lenteur quelque part du processus de gentrification. On a des espaces qui ont reçu le boom des condos, mais on a aussi des espaces où finalement les populations, les taxpayers, les populations de propriétaires blancs vont pas avoir la main mise, parce que on a aussi un stock de logements sociaux. Et à mon sens, et ça va être un de mes commentaires, ça aurait été super d'avoir une carte qui représente pas seulement les territoires des gangs, mais aussi où sont les projects, où sont les nouveaux condos, pour pouvoir voir comment on territorialise finalement la façon dont les gens vivent et perçoivent la question du crime, de la criminalité, des gangs, mais aussi de la question de la race. Et ces deux points, et je vais finir là-dessus, me permettent de faire de liens avec des études montréalaises en cours, surtout dans trois quartiers où mes étudiants et moi-même travaillons, qui sont Parc Extension, Saint-Michel et Montréal-Nord. En fait, moi, les résonances que j'ai vues dans ce que vous décrivez, c'est que quelque part, la question de la lutte contre la criminalité ne pourra pas anéantir la présence de ces projects, de ces logements sociaux qui sécurisent une certaine diversité sociale dans le quartier, aux grandes dames des propriétaires qui voudraient bien justement les faire disparaître. Et ça, pour moi, ça montre qu'on a des grosses fragilités dans la ville de Montréal, parce qu'on a des espaces multiethniques comme ceux-là, pauvres, où la présence de logements sociaux est extrêmement faible. Et où en fait l'idée de sécuriser une présence des populations racisées et pauvres est extrêmement difficile sans volonté publique. Et c'est notamment le cas à Parc Extension, qui est aujourd'hui face à une vague de gentrification énorme. Et si vous regardez les travaux en train de se finir de Chloé Rezer, on voit qu'il n'y a que 5,2% de logements subventionnés dans le quartier. Donc comment on résiste? Comment on résiste à une vision de la transformation du quartier si on n'a pas un parc sécurisé? On voit aussi que l'action publique, elle n'est pas là, vu que dans les derniers temps, et c'est aussi ce que montre le collectif Anti-Eviction Mad Project à Parkex, les politiques ne vont pas voter pour des lois de maintien de cette population. On a de plus en plus, à l'échelle de l'arrondissement, des votes qui sont passés pour finalement permettre plus de rénovation, plus de rénoviction, plus de transformation en condo, au lieu d'avoir une action de la puissance publique qui reconnaît la nécessité de sécuriser les populations sur place. Par contre, les dispositifs de lutte contre la drogue, contre les gangs, etc., etc., ça sont bien appuyés par la municipalité. Donc on voit bien qu'on a quand même cette double facette où d'un côté on ne veut pas favoriser le développement du logement social, ou en tout cas on n'est pas très proactif. Par contre, de l'autre, on est capable d'être proactif sur les enjeux de sécurité, de sécurisation, et notamment de lutte contre les gangs. Et j'en arrive à mon dernier point.
Et c'est justement la question de flâner et de stigmatiser les populations dans les quartiers divers, et je pense notamment ici à Saint-Michel et Montréal-Nord, notamment aux études faites par le collectif Montréal sans profilage, qui montrent que les jeunes afrodescendants de ces quartiers-là, et plus particulièrement de Saint-Michel, sont systématiquement dans les mêmes positions que vous donnez dans votre ouvrage, c'est-à-dire jouer au basket, se tenir dans la rue, quand on est noir, bah, finalement, revient à être systématiquement ramené à possiblement être une figure de gang de rue. Et on voit bien dans les travaux à Montréal-Nord, mais aussi dans des travaux plus généraux sur le Canada, la discipline des corps noirs, dont par Robin Ménard, elle est partout présente dans ces quartiers-là. Et elle est sur une base journalière. On a des études aujourd'hui de Shakib Khelifi, d'Antoine Vogler, qui montrent qu'à Montréal-Nord, les jeunes n'ont pas finalement d'espace pour être dehors. Et moi, en fait, ces groupes de flâneurs positifs m'ont beaucoup fait penser à cette division entre le nord-est de Montréal et le boulevard Gouin, où à chaque fois que des jeunes racisés franchissent le boulevard Gouin pour, oh là, peut-être aller profiter de la rivière, on a des appels à la police systématiques pour éviter la pratique de l'espace public. Et donc, moi, pour moi, c'est vraiment des dépossessions de l'espace pour ces populations-là, alors qu'ils sont dans leur quartier. Et pour conclure, moi, j'avais un peu, c'est sous forme de questionnement dans le titre, Us versus Them, finalement, c'est les groupes justice pour la justice sociale versus les groupes pour la sécurité. Mais finalement, ces deux groupes-là sont toujours en train de parler des habitants racisés et pauvres du quartier qui sont, par votre choix méthodologique, absents dans les enquêtés, vu que vous étudiez les groupes qui s'en parlent. Mais ça me permet de poser aussi une question sur justement ce rôle des milieux communautaires ou des structures du milieu dans une prise de parole à la place de, dans une prise de parole ou une façon de penser le quartier ou l'espace vécu qui finalement reproduit ce paternalisme à certains égards, cette prise de parole pour ou à la place de. Et la grande difficulté à rejoindre en fait les citoyens sur le quartier, ce qui est aussi on va dire quelque chose de récurrent dans les quartiers dont j'ai parlé et pour les organismes communautaires présents. Voilà, je vous remercie. Merci Violaine. Le prochain intervenant, c'est Maxime Royalard. Maxime Royalard est porte-parole du règlement des comités logement et association de locataires du Québec, un organisme qui lutte pour l'avancement des droits des locataires à travers la mobilisation sociale, l'éducation populaire et la représentation. Il agit comme porte-parole pour les locataires, en particulier pour les ménages à faible revenu. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, tout le monde. Vous m'entendez bien? Simplement une petite présentation peut-être de notre organisme, le regroupement des comités logements. On existe depuis 1978. On a une cinquantaine de membres à travers le Québec, des organismes communautaires donc, qui sont voués à la défense des droits des locataires. À Montréal, il y avait environ une vingtaine de comités logements et d'associations locataires qui font à la fois la défense des droits individuels, donc qui aident les locataires avec leurs problèmes de logement, mais qui font aussi la défense collective, donc la mobilisation politique pour faire avancer les droits des locataires. De notre côté, on n'a pas beaucoup de connaissances terrain données sur les groupes là, qui militeraient pour plus de sécurité publique et les conséquences sur la gentrification à Montréal. Donc, je pourrais difficilement comparer Chicago à Montréal à ce niveau. Mais je pense, comme Violaine l'a dit, c'est appelé à changer. Il y a les quartiers moins centraux, disons, qui sont en train de se gentrifier. Parc Extension est un bon exemple, avec des populations très diversifiées, fortement racisées, aussi très pauvres. Et qu'il y a beaucoup de chercheurs et chercheuses qui s'y intéressent actuellement. Puis dans les prochaines années, dans les prochains mois, en fait, on aura des données intéressantes qui permettront de peut-être faire un peu l'exercice que Yann a fait pour Chicago.
Cela dit, je pense que même sans avoir de données, je crois qu'il y a plusieurs parallèles intéressants à faire avec d'autres genres de dynamiques gentrificatrices qui s'opèrent à Montréal. La première dont j'aimerais parler, c'est les mobilisations pour le verdissement des quartiers, qui est a priori une cause noble. Personne n'est contre la vertu, contre le verdissement des quartiers, des rues, la venue des ruelles vertes, d'avoir plus de parcs, moins d'autos, plus de pistes cyclables, etc. On serait tenté de penser que c'est des améliorations qui profiteront à tout le monde, à l'ensemble de la population, mais est-ce vraiment le cas? Ultimement, je pense que non. Ça amène forcément à des processus de gentrification et donc à d'exclusion sociale et économique. D'ailleurs, on parle depuis de plus en plus d'éco-gentrification. C'est un terme qui existe depuis assez longtemps, mais on en entend parler de plus en plus dans les médias, donc c'est de plus en plus répandu. Donc, l'amélioration qualitative de la vie des quartiers engendre plusieurs choses. Évidemment, une augmentation de la demande pour certains quartiers, certains secteurs, ce qui provoque une augmentation des prix de l'immobilier, donc des loyers. L'arrivée des ménages de la classe moyenne qui veulent se loger dans ces quartiers-là procède à des évictions de locataires, souvent des résidents de longue date qui paient des loyers plus faibles. Ça a évidemment un effet domino de spéculation immobilière qui provoque une augmentation plus généralisée des prix des immeubles, des augmentations de loyers, des évictions, alouettes, la roue de la gentrification qui tourne. Où je vais en venir avec tout ça, c'est que je trouve que c'est un phénomène qui ressemble à plusieurs niveaux à ceux qui sont décrits dans le livre. C'est des groupes citoyens, des élus politiques qui luttent pour l'amélioration de la vie de leur quartier, mais qui, par le fait même, provoquent des conséquences désastreuses pour une autre partie de la population. C'est souvent fait de manière non intentionnelle, quoique parfois je me demande à quel point, mais le problème est que leurs actions en tant que telles, il y a une absence de revendication des demandes pour limiter, voire empêcher les dommages collatéraux qui viennent avec ça. Je pense par exemple à des revendications qui sont portées dans l'espace public depuis des décennies, l'instauration d'un contrôle obligatoire des loyers, le renforcement des protections des locataires contre les évictions, la construction de logements sociaux, des mesures pour limiter la spéculation immobilière. Mais très rarement, on voit ce discours-là sur le verdissement des quartiers jumelé à ce genre de revendications-là chez les groupes et les élus. Et comme dans toute lutte de classe, ce qui est la gentrification à l'échelle urbaine, bien, il y a une classe qui est en train de gagner, puis c'est très pernicieux. L'accès au capital politique, économique, mais aussi au capital culturel joue énormément dans ces dynamiques de gentrification. Ça joue dans l'accès privilégié aux élus, aux groupes citoyens qui militent pour le verdissement, aux plateformes médiatiques, mais aussi dans l'accès aux ressources économiques qui permettent le privilège de pouvoir bénéficier des améliorations de la vie d'un quartier tout en n'ayant aucune crainte d'y être un jour incapable de vivre. Bref, on a le droit à la ville ou le droit à la ville verte, ce qui devient comme une sorte de privilège, alors que selon nous, ça devrait être un droit pour tout le monde. J'aimerais aussi parler des dynamiques autour des discours sur l'itinérance et les problèmes de la rue, qui sont moins organisés selon moi, mais qui est un phénomène peut-être plus parcellaire, mais quand même très présent. Il y a des mouvements citoyens contre l'implantation des lieux d'injection supervisés, par exemple. On en entend souvent parler à Montréal, mais la semaine passée, à Québec, c'était un enjeu qui était présent dans les médias. Il y a eu une assemblée publique à ce niveau-là. Les réactions sont souvent très fortes, très émotives, mais semblent aussi souvent le cas de résidents nouvellement implantés dans les quartiers. Comme si c'était un phénomène qui ne devrait pas exister, autant dans la rue que dans les organismes faits pour ça. C'est souvent vu comme un recul pour l'amélioration de la qualité de vie des quartiers, alors que les résidents de longue date diront souvent que ça existe depuis longtemps, alors aussi bien que ça se fasse dans des conditions sécuritaires. Ça provoque des clashs importants qui, encore une fois, sont liés à des dynamiques socio-économiques. Quiconque a habité à Montréal dans le centre-sud, dans Hochelaga, vous dira que c'est des tensions qui ressurgissent fréquemment, autant dans la rue, à travers des graffitis, à travers des lettres ouvertes, à travers des manifestations anti-gentrification ou encore via des mobilisations de commerçants de promoteurs de condos. J'aimerais aussi utiliser l'exemple du campement Notre-Dame qui a été démantelé au début de la semaine, qui est selon moi un exemple intéressant et qui est dur à cerner. Les enjeux liés à l'itinérance provoquent
peut-être moins d'indignation chez les gentrificateurs, les gentrificatrices, ou du moins c'est beaucoup plus subtil. On aurait pu s'attendre, par exemple, à une mobilisation contre le campement Notre-Dame d'Anchelaga, mais c'est jamais vraiment arrivé, du moins pas de mouvement organisé. Il y a eu des plaintes, il y a des résidents qui se sont plaints. Il y a sûrement des plaintes qui sont montées jusqu'à l'arrondissement, jusqu'à la ville, mais pas de mobilisation organisée. D'abord, sans doute que de s'opposer à l'itinérance, c'est extrêmement délicat. Ça impliquerait de s'opposer à des gens qui sont déjà très démunis, très vulnérables. Donc, on se garde une petite gêne. Mais je pense qu'on préfère aussi d'autres hypothèses. Comme Hochelaga est un quartier qui se gentrifie extrêmement rapidement, peut-être que les classes plus aisées, celles qu'on pourrait penser que ça leur déplaît davantage d'avoir telle chose dans leur quartier, jugent avoir déjà gagné le futur du quartier, tellement que la gentrification est évidente et se produit et ne va pas être contrée. Donc, on adopte une posture passive, une posture attendiste, pour on sait que le problème sera réglé éventuellement. Ou on pourrait aussi se demander si, étant donné que c'est un quartier extrêmement clivé socialement et économiquement, que les mouvements de gentrification sont assez forts, qui ressurgissent périodiquement. Ça provoque une réticence d'action chez les acteurs, les actrices qui auraient voulu réclamer le démantèlement du camp. Bref, c'est des hypothèses, j'ai pas de réponse, mais ça pourrait provoquer la discussion tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, Maxime. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que ma connexion... OK, parfait. Donc, on passe la parole à Rémi Boivin. Rémi Boivin est professeur agrégé à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et consacre ses recherches à la planification et à l'évaluation des interventions visant la prévention et la répression de la criminalité, le traitement policier des infractions criminelles ainsi que la criminalité transnationale. Il est directeur du Centre international de criminologie comparée, Centre interuniversitaire, ainsi que membre du Centre d'études et de recherche internationale CERIUM. Merci, Rémi. Merci, Philippe. D'abord, je veux remercier Yann pour le livre. C'était très, très intéressant. Puis, sans le savoir, je pense que c'est un livre d'introduction à un pan de la criminologie, donc la criminologie environnementale, à défaut de meilleure traduction, qui est vraiment, disons, le parent pauvre d'une certaine façon de la criminologie, qui historiquement s'est beaucoup plus axé sur le traitement individuel ou, par exemple, de la récidive, de la victimisation. Donc, j'ai trouvé le livre très, très intéressant parce que ça illustre des concepts qu'on voit de façon plus théorique. Puis justement, mon appréciation du livre a commencé avant même de le lire pour deux raisons. La première, c'est que il y a une appréciation méthodologique. Donc, on voit un mouvement en criminologie depuis quelques années, disons une quinzaine d'années, quinzaine, vingtaine d'années, d'un passage de l'analyse du quartier, qui était typiquement ce qu'on voyait dans les études, à une analyse plus fine au niveau géographique. Puis ça, je suis pas nécessairement d'accord avec ce passage-là. Donc, ça faisait du bien de lire quelque chose sur la criminalité qui était à un niveau, au niveau du quartier. Donc, ça, c'était un intérêt méthodologique. Par contre, mon plus grand intérêt, c'était que, on l'oublie souvent, mais Chicago, c'est la ville où, la ville d'origine, en fait, de la théorie de la désorganisation sociale, qui est une théorie majeure en criminologie, qui a été développée dans les années 1920, 1930, 1940, là, dans le temps, ça passait moins vite, le temps. Puis c'était une certaine façon de retourner en arrière. Donc, je trouvais ça très, très intéressant. Puis justement, si j'ai le temps, je vais parler de trois points, mais le point le plus important ou celui sur lequel je veux insister le plus, c'est justement sur la théorie de la désorganisation sociale. En gros, je vais vous le résumer très, très brièvement. La théorie de la désorganisation sociale a trouvé qu'il y avait un lien entre certaines caractéristiques de la population d'un endroit, donc, et la criminalité. Donc, l'idée de base,
c'était que la criminalité, on s'attend à ce que la criminalité soit plus fréquente dans certains quartiers qui présentent des indicateurs de désavantage, donc de désavantage économique, désavantage social. À l'époque, donc je vous le rappelle, c'était en 1920, ça a changé depuis, mais on disait tout ça est mélangé, donc on avait avancé un concept de désorganisation sociale qui a été à peu près 60 ans plus tard raffiné pour parler justement d'efficacité collective. Donc c'est là que je trouvais intéressant la contribution, le livre de Yann, c'est qu'on, dans le fond, le livre, c'est un livre de criminologie, mais je dis toujours que la criminologie comme discipline, ça n'existe pas. C'est un assemblage de plein de trucs. Mais pour moi, le livre, c'est un livre de criminologie parce qu'on parle d'efficacité collective. En anglais, c'est collective efficacy. Là, je ne suis pas certain que c'est la bonne traduction. Mais grosso modo, on ne la mesure pas bien. Ça a été, historiquement, ça a toujours été basé sur la désorganisation sociale, a toujours été basé sur des indicateurs tirés des recensements, donc peu importe le pays. Il y avait des indicateurs de désavantages économiques, par exemple le revenu moyen, le taux de chômage, etc. Il y a des indicateurs de mobilité résidentielle, donc savoir est-ce que les gens d'un quartier, justement, peuvent ou ont l'occasion de tisser des liens serrés. C'est sûr que s'il y a un roulement chaque année du trois quarts de la population, c'est moins susceptible de mener à une certaine cohésion sociale. Puis justement, c'est là où ça devient intéressant. La théorie de la désorganisation sociale fait une grande place à l'hétérogénéité raciale en disant que c'est un indicateur de désorganisation sociale. Donc, je trouvais intéressant cette discussion-là. Puis en fait, je m'étais mis comme note que, effectivement, quelque part dans le livre, je n'ai pas retrouvé la page exacte, là, il est mention qu'il y a très peu d'études qui trouvent un lien direct entre la gentrification puis la criminalité. Mais ce que la théorie de la désorganisation sociale fait, c'est qu'elle suggère qu'il y a un lien indirect à travers justement l'efficacité collective, qui, je le rappelle, on la mesure très, très mal. De façon, ça fait 30 ans qu'il y a cette discussion-là, puis en gros, tout le monde retourne aux indicateurs du recensement. Ça, c'est mon petit côté cynique, principalement parce que ça ne coûte pas cher, les données du recensement. Donc, souvent, les discussions de la théorie de la désorganisation sociale s'ancrent beaucoup dans les caractéristiques mesurées par les recensements. Donc, il y a un lien très, très fort qui fait entre le crime et ces indicateurs-là. Mais on ne va pas vraiment chercher, pourquoi il y a un lien entre les deux? Comment on pourrait améliorer la cohésion sociale? Comment on pourrait faire qu'il y ait une meilleure efficacité collective? Ces discussions-là sont complètement absentes, en fait, de la criminologie, malheureusement. Donc, ça, c'est vraiment le premier point que je voulais amener. Donc, que même si ce n'est pas voulu comme étant un livre de criminologie, ça a résonné énormément quand je l'ai lu avec justement la théorie de la désorganisation sociale. Le deuxième point dont je voulais parler, c'est pour moi, c'est évident qu'il y a un débat très, très fort entre la perception de la criminalité réelle. Puis ça, c'est un domaine en criminologie qui a mené à beaucoup, beaucoup de travaux. Donc, le sentiment de sécurité ou sentiment d'insécurité, là, dépendant où vous êtes dans le monde, on le prend d'un côté ou de l'autre. Puis, ce qui est fascinant avec ce champ-là, c'est que ce n'est pas les mêmes facteurs qui influencent les deux. Donc, certains facteurs vont influencer le sentiment de sécurité ou d'insécurité. Puis, d'autres facteurs, pas les mêmes, vont influencer le niveau de criminalité, par exemple, dans un quartier. Donc, déjà, on voit que c'est difficilement réconciliable. Dans une autre vie, j'ai déjà dit à un chef de police, est-ce que vous voulez travailler sur prévenir la criminalité ou améliorer le sentiment de sécurité? Parce que c'est deux choses complètement différentes. Donc, moi, ce que j'ai trouvé marquant dans le livre, c'est que les deux groupes adoptent, de mon point de vue, adoptent vraiment des perspectives différentes sur la criminalité. Il y a un groupe qui s'intéresse à la criminalité réelle, entre guillemets,
Puis l'autre groupe qui s'intéresse aux perceptions, ont peur de certains groupes, puis craignent l'impact que ça peut avoir sur la criminalité, mais dans les faits, c'est pas vraiment réel, c'est plus une perception. Il n'y a pas eu tant de témoignages directs d'incidents criminels. Donc, j'ai eu vraiment l'impression qu'on flottait dans le monde entre les perceptions, l'objectivité et la subjectivité des gens. Donc, ce bout-là, je trouvais très intéressant. Puis aussi, ce que les travaux sur le sentiment de sécurité démontrent, c'est que les facteurs sont de plusieurs natures. Donc, il y a des facteurs au niveau du quartier. Donc, par exemple, un niveau de délabrement va être associé à un sentiment d'insécurité ou de sécurité différent. Mais il y a aussi des facteurs individuels. Donc, puis là, je me crée un mini-punch. Il y a des facteurs, par exemple, les expériences. Donc, si vous avez vous-même été victime d'un incident criminel, bien, c'est sûr que ça joue sur votre sentiment de sécurité. Il y a des facteurs comme l'âge. Donc, vous ferez l'exercice, vous demanderez à vos parents, par exemple, est-ce qu'ils sont plus ou moins craintifs face à la criminalité que quand ils avaient 20 ans? Je serais prêt à parier sur la réponse. Mais surtout, il y a l'origine, soit l'origine ethnique ou le fait d'être immigrant, par exemple, qui joue beaucoup sur le sentiment de sécurité. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des facteurs de deux niveaux qui cohabitent. Donc, il y a des facteurs individuels, puis il y a des facteurs, par exemple, liés au quartier. Puis ça rend les discussions très, très difficiles. Donc, par exemple, si vous êtes face à quelqu'un qui immigre ou qui a immigré d'un pays où la criminalité ou, par exemple, la corruption policière était très élevée, bien, c'est difficile d'arriver en disant « oui, mais ici, la situation n'est pas la même ». C'est ancré dans la personne. Indépendamment un petit peu de où elle réside ou c'est quoi sa vie actuelle. Donc, je trouve ça, à un niveau conceptuel, je trouve ça intéressant de voir qu'il y a des facteurs individuels puis des facteurs environnementaux ou au niveau du quartier qui peuvent influencer sur le sentiment. Puisque Yann démontre très bien dans son livre, c'est que les deux s'entremêlent, puis ça fait qu'il y a un petit peu un discours de sourd qui s'établit entre différents groupes qui, au final, ils n'ont pas tort. Chacun des groupes dans ces positions n'a pas nécessairement tort, c'est juste qu'ils ont des expériences différentes, qui n'habitent pas nécessairement les mêmes secteurs. Donc, ça peut influencer sur leur perception. Donc, ça, c'est le deuxième élément que je trouvais super intéressant dans le livre. Puis le troisième, comme je le disais, criminologie, pour moi, ce n'est pas une discipline, c'est un assemblage de disciplines. Donc, on a des gens qui viennent de psychologie, de sociologie, d'anthropologie. On a aussi qui viennent du droit. Puis, j'ai eu une discussion justement récemment à propos de la Charte des droits et libertés. Puis, justement, le droit criminel, la différence entre les deux, je ne suis clairement pas juriste. Donc, c'est très, très possible que je fasse une erreur, mais le droit criminel est très attaché à l'individu, justement, à l'intention. L'intention est vue comme un facteur aggravant. Si tu avais l'intention de causer des blessures à quelqu'un, bien, la sanction va être plus grande. La Charte des droits et libertés, pas du tout. L'intention compte pas. Donc, ce qui est important, puis Maxime l'a mentionné tantôt, ce qui est important, c'est les conséquences des actions pour la charte. Donc, je trouvais ça intéressant de voir que, par exemple, le groupe de Public Safety Activists vont dire « oui, mais notre intention, ce n'est pas d'être raciste, mais les conséquences de certaines de leurs actions le sont. » Puis, si vous demandez à un juriste qui est spécialisé dans la Charte des droits et libertés, il va vous dire « ben, ce n'est pas important. » Donc, même s'ils n'ont pas l'intention d'être raciste, le fait est que leurs actions le sont. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouvais très intéressant. Puis surtout, c'est difficile d'expliquer en lien avec la Charte des droits et libertés que l'intention ne compte pas parce qu'on est tellement habitué au droit criminel que l'intention est majeure que quand on arrive dans une perspective de Charte des droits et libertés, qu'on nous dit l'intention n'a aucune importance, c'est pratiquement impossible de convaincre quelqu'un que oui, mais il faudrait que tu arrêtes tel comportement parce que ça a des conséquences qui peuvent être, par exemple, racistes, même si tu n'en as pas l'intention. Donc, c'est les trois éléments que je voulais mentionner. Puis, encore une fois, merci pour l'invitation. C'est
fascinant de discuter avec des gens qui viennent de plein de disciplines. Puis en plus, ça m'a donné l'occasion de relire un livre que j'ai beaucoup apprécié. Merci. Merci, Rémi. David, are you there? Perfect. Our next speaker is David Austin. For several years, David Austin has been involved as a community and youth worker. He has produced two radio documentaries for CBC's Ideas series, CLR James, The Black Jacobin, and France Fanon, The Wretched of the Earth. He is the author of numerous articles and books on the political thought and history of the Caribbean, Black diaspora, and Africa. His book, Fear of a Black Nation, Race, Sex, and Security in 60s Montreal, was awarded the Casa de las Americas Prize in 2014. He currently teaches in the Department of Humanities, Philosophy, and Religion at John Abbott College. David. Your mic. Thank you. So, good afternoon, and I too would like to thank QM for the invitation to participate in this conversation. And also want to very much thank Yan for a wonderful, nuanced, and rich book, which I think is just very difficult to try and really sum up in, or not really sum up the book, but even share my own thoughts in 5 minutes. So what I thought I would do is sort of focus on a few things that stood out to me in relation to, which can be implicitly in relation to work that I used to do as both a youth worker in a neighborhood, Little Burgundy, which had a strong historic Black community. It's a neighborhood where Malcolm X's mother, when she arrived from Grenada in the Caribbean to Montreal, was politically very active in the early 1900s. Some of my thoughts are kind of implicitly related to that community, which has gone through its own form of ongoing gentrification over the last 30 years or so. But also tied to the work I used to do, as somebody used to be a community organizer working on housing in the neighborhood of Côte des Neiges. But I should also say that I thought there were a lot of parallels between your book and the various neighborhoods that have been mentioned by some of the panelists, including St. Michel. But also, there was a project a few years ago coordinated by Julien Boudreau from INRS called Map Collab that made comparisons between Little Burgundy, St. Michel, and two suburbs in Paris. And I see a lot of parallels there too. One of the things I really appreciated about the book in terms of how it talked about race is that race is not really talked about as race, but in its complexity and its intersectionality. So we think about race, especially alongside class, but also given many of the people that you interviewed and spoke to, Yan. Also gender, even though it's not explicitly stated in those terms, and that's not even entirely true, because you talk about how single mothers in Chicago had to kind of navigate living in the neighborhood and dealing with both safety and social justice on the other hand. But also the way you talked about the question of fear, which I kind of saw as being two-sided. Of course, there was this fear based on the kind of reality and stereotypes of Black criminality in the neighborhoods that you look at, but there's also the fear of the residents in terms of their relationship to the police. And I'm currently involved in a research project that looks at the relationship between Blacks and the legal system, including the criminal justice system. And just to give you an example, a woman who was very closely associated with the neighborhood of Little Burgundy, she described her own fears as a Black woman being stopped simply for something like a traffic violation. And
being so fearful and afraid that she refused to put her hands down when she was stopped, out of fear of being, you know, out of fear of being shot. Now, I'm just making that point to emphasize how some of the dynamics that you describe in your book also play themselves out in the Montreal and Canadian context too. But again, just going back to the idea of complexity, I really like the way that you spoke about how race is not entirely just about black and white. Not only are there various other groups within that racial spectrum, but also ideologically and politically speaking, in terms of people, where folks position themselves in society. There were white folks who were opposed to gentrification, as you talk about in the book, and opposed to police repression. And there were black folks for various reasons who had profoundly concerned about crime in the neighborhood, and also because of where they were situated class-wise, right? They were willing to support the kind of positive loitering that you refer to in the text, right? So again, there's that sense that racial dynamics are complex and nuanced, and race is not only about race. It was also interesting. I mean, in some ways, when I read your book, I came to the conclusion that ultimately, even though I don't think you stated explicitly, the book is about allyship and solidarity. You know, and the ways in which various groups who are seemingly at opposite poles of the kind of social divide actually are not, and that there are these possibilities of folks coming together across ethno, racial, and class lines because there's a shared recognition about social forms of social, economic, and political injustice. So these oppositions that you refer to as not really being opposition, black versus white, the affluent versus the poor, safety versus justice, those who are involved in the process of gentrification, where in relation to those who live in subsidized housing, grassroots versus big P politics, are not necessarily, at least not always, mutually exclusive. And there are points of convergence where folks who otherwise represent different banners or groups can converge. So there's a need for us to try and dwell in those moments of convergence, those moments of nuance, and those moments of complexity. And sometimes we're quick to overlook them. You also spoke about interracial and intraracial differences and points of convergence between various groups, who again we'd otherwise seeing homogeneous, we understand to be kind of homogeneous, black or white. Sorry, I'm going a little bit quickly, but one of the things I would have, I think, liked to have seen a little bit more of is trying to situate, and I realize it's a study you're kind of rooted in criminology and sociology, but trying to situate where these fears and where these points of divergence and where these differences that you talk about, where they, you know, the historical roots and how we might contextualize them in relation to the dynamics of power outside of those communities. So for example, when you talk about the police, and you mentioned it in your presentation, that the police interaction with those communities are tied to residents who often call upon the police to intervene. But there's also a way, of course, of seeing the police as institutional instruments of the state, whose historical role has been repression, and also who have been historically socialized, regardless of whether they're called in by the residents or not, to play that kind of historically repressive role. I'm thinking about the work, for example, some of you may be familiar with it, from Chicago, Mariam Kaba, who's done a lot of work on the criminal justice system and also policing. And also what I think it would have been, so interesting to hear more about those kinds of power dynamics which are more sustained and persistent outside of the kind of interactions between individuals and groups in those communities, and how all of that kind of converges. Lastly, I think, you know, I you
you draw on Orlando Patterson, who Harvard sociologist, who's originally from Jamaica, actually, and was very well-known kind of Caribbean population before he became a sort of American sociologist. And it's an interesting way in which you draw in his book where he talks about how there's been a tremendous amount of change in terms of race dynamics in the United States. And because of that change in terms of the kind of desegregation of groups and the kind of ongoing growth of a Black middle class, how this has led to these new Black-white encounters have also been a source of conflict, which I thought was really interesting. As a way of thinking about how we can have both progression and regression at the same times, a growing and burgeoning middle class on the one hand, but regression in terms of a growing Black underclass, which is part of what we might refer to as a plantation to plant to project prison pipeline. It would have been interesting, you talk about it towards the end of the book, and just for my own interest, I think it would have been interesting to hear more about that in relation to the communities that you refer to, because that's part of, I think, the tension in relation to some Black folks who live in those neighbors that you refer to who are part of the kind of middle class or who own homes, and people who would otherwise be understood as members of their community as Black folks. And the last thing I would say, because I just began by saying that reading your book, you know, there's a lot of implicit inference in terms of what Black, white, and inter-class solidarity might look like. I think it would be nice to hear more about that in terms of what your analysis and research tells us about human possibilities beyond the categories of Black and white, beyond the categories of class. But I really appreciate it. I really appreciate the book in terms of its nuance and its complexity and the insights that it provides. I think there's a lot more we could probably talk about in terms of some of the parallels between what you've written about in Chicago and the Montreal context. Thank you, David. La prochaine intervenante, ça va être Sophie Thibault, conseillère d'arrondissement depuis 2009. Elle a collaboré activement à plusieurs dossiers et documents d'orientation de l'arrondissement sud-ouest. Et ce, en plus de contribuer à doter ce dernier d'outils de planification du territoire également. Dans le cadre de son présent mandat, on lui a confié la responsabilité des dossiers en lien avec le développement durable et le développement social. Membre depuis 2011 de la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lui a confié la présidence en 2017. Cette instance traite de différents enjeux urbain relié à la cohésion sociale, la lutte à la pauvreté et l'aide aux sans-abri. Avant d'être élue, Mme Thibault a travaillé de nombreuses années dans le milieu communautaire du Sud-Ouest. Elle réalise actuellement un diplôme d'études supérieures spécialisées en environnement et développement durable à l'Université de Montréal. À Sophie. Merci beaucoup, Philippe. Merci à tous. Merci à Yann pour votre livre et puis à tous les autres participants au forum. Là, c'est comme au fur et à mesure que je vous écoutais, c'est genre rajouté sur ma feuille parce que ça modifie ce que j'avais préparé au départ. Fait que c'est ça. Moi, on m'a demandé de vous emmener dans la petite Bourgogne. Donc, David nous en a déjà un peu parlé précédemment. La petite Bourgogne, c'est un des quartiers de l'arrondissement du Sud-Ouest que j'ai donc le privilège de représenter depuis maintenant 11 ans. Alors, concrètement, c'est au niveau du marché Atwater à l'ouest du centre-ville de Montréal. Donc, le Sud-Ouest, si on parle au niveau
diversité. Au niveau des statistiques, on peut dire que un peu moins de 28% de la population du Sud-Ouest se considère comme de minorité visible. C'est en deçà des statistiques de la ville de Montréal qui se situe plus autour des 30%. Mais remarquons que la petite Bourgogne en particulier est proche de 49% de la population qui se considère de minorité visible. Donc c'est vraiment une particularité dans l'arrondissement où il y a une forte concentration de personnes se représentant de la diversité. Donc beaucoup d'immigration, mais aussi des personnes qui sont là de longue date. Ben, je veux dire, on est pas mal tous des immigrants là, mais donc quand on parle de minorité visible dans la petite Bourgogne, le groupe qui est le plus important, c'est les personnes qui se considèrent comme noires à 95,9%, suivi des personnes issues de la communauté bangladaise, donc du Bangladesh, à 11%. Le quartier de la Petite Bourgogne se situe à côté du métro Georges Vanier. Je ne sais pas quand ils ont construit le métro de Montréal, quelles étaient leurs stratégies en termes d'implantation des stations de métro, mais quand je vous écoutais tout à l'heure, je trouvais ça intéressant, c'est de voir en fait quels étaient les investissements publics au niveau de la municipalité qui avaient été faits dans la Petite Bourgogne, puisque dans un premier temps, j'avais juste pensé en termes de programmes, d'activités sociales sur le terrain, mais c'est quand même intéressant, puis heureusement pour la concentration de population qui réside dans ce quartier-là, d'avoir une station de métro, puisqu'au niveau géographique, le quartier a vraiment été démoli en fait et reconstruit, puisque la concentration de la Petite Bourgogne dont je veux vous parler se situe vraiment au bord de l'autoroute 720. Donc, sous Jean Drapeau, le quartier a été rasé et il y a eu une forte concentration de HLM, la plus grosse concentration de HLM du Canada, d'ailleurs, il semblerait. Donc, par rapport à ce que nous disait Violaine plus tôt, oui, là, il y a eu des investissements publics importants, mais tu sais, en même temps, c'était suite à la destruction d'un quartier. Fait que, mais bon. C'est vrai que ça protège, en fait, parce que beaucoup de ces ménages-là, il y a beaucoup d'indicateurs de pauvreté dans ce secteur. Alors, on ne peut pas vraiment parler de gentrification. En tout cas, je ne me permets pas de parler de gentrification dans le cadre de la Petite Bourgogne par rapport à d'autres quartiers du Sud-Ouest comme Saint-Henri ou la Petite Bourgogne ou d'autres quartiers de Montréal dont Maxime ou d'autres orateurs ont parlé tantôt, parce que La disparité en termes de revenus des ménages dans la Petite Bourgogne, les ménages les moins nantis vont se retrouver en fait dans du logement subventionné. Donc, leur présence est protégée par rapport à des ménages qui se retrouveraient en location. Donc, à côté de cette forte concentration HLM, on a aussi beaucoup de propriétaires occupants. Il y a des condos, oui, au bord du canal, plus au sud, mais il y a aussi beaucoup d'unifamiliales. C'est vrai qu'il y a une forte disparité en termes de revenus, mais ce n'est pas uniquement condos HLM. Il y a une variation de construction. Puis peut-être quelque chose qui serait intéressant à étudier, c'est le fait qu'on a des axes de circulation comme la rue Saint-Jacques, par exemple, puis même Notre-Dame, qui créent comme une différence. Il y a vraiment différents morceaux de quartier dans ce quartier de la Petite Bourgogne qui, en plus, se trouve, faut quand même le souligner maintenant, juste à côté des tours de condos de Griffintown et de Ville-Marie qui poussent. En tout cas, ce n'est pas nouveau, là, mais mettons que ça s'est encore intensifié dans les dernières années. En termes de violence, de crime, la particularité du quartier de la Petite Bourgogne, c'est de la violence entre les jeunes, en fait. Il y a même concrètement eu des pertes humaines, là. Il y a des jeunes qui sont morts, des batailles à armes blanches ou parfois des fusillades. Le phénomène gang de rue, là, je vais pas le définir, là, mais... C'est au niveau municipal, le programme en fait qui a été mis en œuvre par la ville de Montréal il y a plus de 20 ans, considérait déjà le quartier de la Petite Bourgogne comme l'un des deux quartiers prioritaires où la ville souhaitait intervenir. Il y a un programme particulier qui s'est mis en place, le programme BUMP pour Burgundy Human, attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Burgundy Urban Mediation Program, ça a été mis en place il y a une quinzaine d'années à partir de l'initiative des maires. Donc, c'est vraiment des membres de la population, puis des femmes qui ont souhaité, il y a eu une organisation à l'interne du quartier.
Donc concrètement, la ville de Montréal participe financièrement à ce programme-là. Donc c'est de l'ordre, selon les années, entre 90 000 et 130 000 dollars. Donc ville de Montréal et ministère MTESS, le ministère de l'Emploi et des Services Sociaux, ça permet d'engager de 3 à 4 personnes sur le terrain. Donc, pour être proche des jeunes, pour mettre en place des activités, pour créer aussi tout ce qui va être, bon, la médiation, je disais tantôt, mais toute la référence aussi vers d'autres sources qui peuvent exister dans le quartier ou les quartiers avoisinants. Il y a aussi une forte présence policière, la police communautaire, donc des policiers qui vont avoir cette expertise aussi d'être sur le terrain avec les jeunes, d'organiser des activités, donc tu sais, d'être partie prenante de la vie du quartier au niveau sportif et autres. Et on a la chance dans la petite Bourgogne d'avoir un milieu communautaire qui est très tricoté, serré. Là, tu sais, les personnes qui travaillent là, déjà, plusieurs d'entre eux sont issus elles-mêmes du quartier, sont représentantes aussi d'une certaine diversité de la petite Bourgogne, et c'est des gens qui ont vraiment, ben souvent dans le milieu communautaire, là, j'en suis, mais on n'oublie pas là, quand on a travaillé à la petite Bourgogne, là, les gens restent vraiment longtemps, là, même si ce n'est pas un milieu facile. Donc, le programme BUMP est étudié par d'autres villes, Toronto et Boston. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur pour voir en fait comment ça fonctionne. Donc, on espère que c'est une preuve que il y a de quoi d'intéressant là. En termes d'investissement municipal, je veux quand même parler aussi de l'investissement important de la ville de Montréal il y a une vingtaine d'années dans le centre sportif de la petite Bourgogne qui se trouve au cœur du quartier. Il n'y avait pas d'infrastructure particulière. Ben, il y a une bibliothèque en fait, puis un centre culturel, mais c'est dans un ancien bâtiment municipal. C'est pas, puis c'est en bordure, c'est moins proche en fait de la concentration HLM. On a aussi deux jardins communautaires qui est une activité particulièrement importante, notamment pour des personnes qui viennent du Bangladesh, puis tu sais, avec toute la possibilité quand même d'essayer de se nourrir à moindre coût pendant l'été. Des espaces communautaires aussi qui ont été créés à l'intérieur même de la concentration HLM. On ne retrouve pas ça partout dans les résidences HLM de l'office, donc je pense que c'est vraiment important. Quand on se rend compte qu'il y a des lieux de rencontre aussi, là, évidemment, ça aide, surtout dans un pays avec les météos qu'on a. Et puis, vous dire aussi que depuis 10 ans, donc depuis que, en tout cas, l'équipe politique avec laquelle je travaille depuis une dizaine d'années, on a beaucoup réinvesti dans les parcs. Il y a plusieurs petits parcs, mais c'est une particularité de l'arrondissement du Sud-Ouest, en fait. On n'a pas des grands parcs, mais on a beaucoup de petits parcs, et on a beaucoup travaillé à réinvestir avec la communauté sur les équipements sportifs, les équipements pour les enfants, de s'assurer que les parcs soient vraiment des lieux d'activité physique, de rencontre pour tous les âges. Et je pense que ça fait partie des facteurs positifs. Donc, puis pour terminer, je veux vous parler aussi de la politique de l'enfant. Donc ça, c'était il y a 4 ans sous l'administration politique précédente, mais ça a été conservé, évidemment. C'est un 5 millions supplémentaires par année pour les enfants, tous les enfants de Montréal. Je dis tous les enfants parce qu'il n'y a pas c'est pas particulièrement pour des enfants qui vont être issus de familles moins nanties, mais sachez que le quartier de la Petite Bourgogne a été l'un des premiers quartiers qui a été repéré où la ville voulait intervenir, et que c'est actuellement un 25 000 $ supplémentaire qui est attribué à ce quartier-là pour mettre en place des activités supplémentaires. Et actuellement, on l'utilise sur consigne, indication du milieu pour occuper les parcs, donc pour augmenter encore la présence et l'animation dans les parcs, notamment, surtout dans la période estivale. Donc voilà, merci pour votre écoute. Well, merci Sophie. So, as you'll note that we are a bit over time, but we do want to make some time for some interaction. And I think in respect of our audience that has been really attentive and would like to have an opportunity to interact, what we'll do is we'll take one live question from the audience, and then we'll also give the opportunity to Jan to pick up on anything that any of the panelists have said. And we'll try and do, you know, two of each and see if we can just go another 10 minutes and then that'll be it. So is there anyone in the audience that would like to speak? Okay.
I'm not sure if we're in if they have the opportunity to speak or it has to be in the Q&A. We do have a couple of questions in the Q&A. And this question is for you, Yann. It's in French. Dans votre présentation de CICC, All in This Together en 2017, vous étiez plus nuancé par rapport à la dualité entre les activistes contre le crime et les activistes contre la gentrification. Vous disiez qu'il y avait des personnes blanches contre la gentrification et les personnes noires dans des groupes contre le crime. La scission était moins évidente. Aujourd'hui, la dualité est plus marquée. Je vous pose les questions suivantes. Comment les personnes qui ne correspondent pas à la tendance concilient-elles leur position dans leur groupe d'activisme respectif? Et sont-ils conscients des dimensions symboliques du racisme? Est-ce que leur position se justifie autrement que par la composante raciale de la conversation? Thank you. Yes, that's a very good question. And it brings me, I will not be able to answer all your fantastic, to comment on all your fantastic points, but this brings us to something that David Austin commented on earlier, this range of viewpoints and standpoints that people have within racial groups, right, that are not necessarily determined by race, class, perhaps by how these things play together, but certainly not in any straightforward, simple fashion. People have choices, right? People make political choices. And so for these initiatives that fight gentrification and that fight crime, it's very interesting to see that whites who are even structurally positioned to benefit from gentrification, people who own houses, say, would choose to fight gentrification if they are pure rational choice actors who have no investment at all in racial justice. They might say, absolutely not, right? The thing that I'm interested in is that my home value rises and I shall do anything whatsoever in pursuit of that effort. But in practice, that is probably the case for some people, but I definitely found people who rejected that and who saw their middle class status as a responsibility and their whiteness, of course, as a responsibility to make sure that the neighborhood can stay racially diverse and class mixed. This is something that gentrification scholars have downplayed for some time. There was an appreciation that people feel ambivalence, but not so much that people would be willing to make actual sacrifices. These people are highly aware of their whiteness and how meaningful it is in the context in which they're operating. As to people of color, Latinos and Black people who participate in these pro-police activities and neighborhood watch, people who communicate with the police, people who might let a police unit set up an undercover operation to observe their neighbors, I saw all of that happening. They have a conception of racism, of course, right? So they have a personal definition of what racism is. And it's mainly that old style of racism where they think of racism as something that a bigoted person does to a person of color. They don't think of racism as a structural phenomenon. This might be a thing that Americans are particularly vulnerable to because Americans are so prone to thinking about their individual accomplishments as their own making, right? Americans believe in this deeply, and many Black Americans believe in this deeply too, right? So they would have sincerely, I think, rejected any critiques that they were involved in a racially problematic behavior. This is not something that they accepted and that they were willing to accept. It was simply something that they did not consider valid. It was a charge of racism that they would not consider valid. Okay, thanks, Yann. Maxime,
There's a question for you in the Q&A, and it is quite long, and I will probably lose time if I try to read it in French. So if you can perhaps look at that question, summarize it a bit, and then respond, that would be awesome. Oui, donc il m'a demandé si, à propos du campement Notre-Dame que j'ai abordé rapidement tout à l'heure, si, si les nouveaux résidents, ou si j'ai appelé les gentrificateurs, s'étaient mobilisés contre le campement. À ma connaissance, il n'y a pas eu de mobilisation organisée. C'est clair qu'il y a beaucoup de projets de condos dans ce coin-là. Il y a clairement eu des plaintes et tout ça qui ont été portées au niveau politique, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de mouvement organisé. Après, pour la suite de la question qui est suggérée que clairement, ces gens-là ne sont pas vus comme des résidentes légitimes du quartier, ça, pour moi, ça ne fait aucun doute que c'est le cas. Ces gens-là sont souvent perçus comme... je ne sais pas quel terme utiliser, mais ce ne serait pas très gentil. Puis, je pense que plus un quartier se gentrifie, plus les seuils de perception des gentrificateurs augmentent. C'est-à-dire que dans certains quartiers, en début de gentrification, peut-être qu'on va voir où les travailleuses du sexe, les itinérants comme des non-résidents légitimes. Mais plus ça gentrifie, plus on va voir les locataires qui habitent depuis souvent de longues dates dans des logements qui ont des loyers assez faibles, comme des résidents de moins en moins légitimes. Et on voit les évincer un peu comme de la marchandise. Puis c'est ce qu'on voit sur le terrain. On va dévoiler d'ailleurs la semaine prochaine des données sur les évictions de locataires. Bien, la forte majorité des propriétaires qui évincent ces locataires sont des nouveaux acheteurs, donc des gens qui ont acheté des immeubles depuis moins d'un an. Et donc oui, on considère ces locataires-là comme... des gens à évincer qui devront se reloger ailleurs parce que clairement, ils ne pourront pas rester dans le quartier. Et c'est extrêmement problématique parce que plus un quartier va gentrifier, plus la population à risque d'être considérée légitime va grandir. That's it for questions in our Q&A. Jan, is there a particular point that maybe one of our panelists has... sort of taken up on that you'd like to follow up? I'll do my best. I can only thank you for your input. This was so useful to me. I wrote it all down, so think about it and get in touch with you individually, but I'll go over some things that I have here. I'm very grateful for your thoughts. I thought it was really insightful, and I had forgotten about the fact that Melissa pointed out that there is this instrumentalization of white women in the justification of the fight against crime. And I think for anyone who studies criminal justice and race, this is a really old story, right? So the notion that the police and segregation really also are supposed to protect white womanhood, right, from people of color is a longstanding thing that we have at least since slavery ended. And here it is on these campaign flyers, right, that the choice of the person that needs to be reflected, protected of all people is a white woman, right? Not a white man who would presumably also be vulnerable to mugging. So I think the choice of symbols here speaks volumes. And I think it's just something where people are really, I would like to be in the settings where these kinds of things are designed. I would like to know how deliberate people are about these choices. But it seems to me that the coincidence is almost too neat to be a coincidence, right? It just seems to, it seems to fit too well into these historical narratives to be a coincidence. So thank you for pointing that out to me. And that is something that I have to think about some more. Helene and also David asked about this possibility of alliances and how we can come to a point where people who might have very different locations socioeconomically might be able to work together around things that concern them. Because there are, I think, on the local level, many things that concern them. Violaine talked about something similar. There is this Tocquevillian level of the community organization built in, and in the US, much hangs on that, right? These are very
influential organizations that shape a lot of dynamics in neighborhoods and beyond. If the city wants to consult with residents, they don't do a poll, they'll go to community organizations often. There's an official community organization for Uptown, for example, that the city will contact if the city wants input. But that community organization has no Black members, right? It's a pro-business association. Everyone has a professional degree, right? And so while it looks very democratic, and it is in principle very democratic, it's nice that the city listens to residents' concerns. If we only look at organizations in these responses and not at the people who are not included in them, then those voices fall away completely because people are just not organized in that way. And I'm very glad that Maxime is working on efforts to organize people who, of course, find it much harder to organize because the demands of everyday life, of low income, of perhaps unemployment in some cases, just make it so much harder to organize. And so this kind of model, this neoliberal model of political consultation works best for the people who already have quite a bit. They can make their voices heard. I do think there is some sensitivity there among those people to hear and include voices from people who are marginalized. I'm not sure how you feel about them after reading about them. These are people who voted for Barack Obama, they're green, they detest Donald Trump, they detest the Tea Party. They're not bad people, but when push comes to shove and decisions have to be made over how much affordable housing am I willing to accept in my neighborhood, if I have a hunch that it has something to do with crime, then they often shy away. And this is, of course, the age-old question. If we tell them that there is no direct correlation between social housing and crime, between class and crime, can we convince them to come on board? Or can we convince them that there can be a way that both of those things can be done together? I hope that that's possible. This would require very hard work. And it would require that these community organizations that are so heavily polarized tone down the rhetoric a little bit and allow each other to come together. I think in Canada, I could imagine something like this. In the current United States, under these circumstances, I find it very difficult to imagine, unfortunately. Yes, I guess this is a topic that many of you raised, and it is a very good topic, this question of how consequential need these categories be? Is there a way to bridge them? And what are the shared interests between them? I could keep going for a long time, but Philip, should I? Do you think I should engage more? We've got about 3 minutes. We'd say we'd just end at 1 o'clock if that's okay with the panelists. And so about three more minutes is fine. Okay, good. Let me look at what else I have immediate thoughts on. Rémy's point about social disorganization, I think, is something I should take up really quick. This is very correct. Social disorganization theory comes out of Chicago, and the question is how it applies to these neighborhoods. And it is something that for a while I considered engaging more explicitly, but now it's more of an implicit trope in the book. So you said correctly, the argument here is neighborhoods will tend to have higher crime if they have higher levels of poverty, if they are racially diverse. This was the argument made back in the day. Today, we wouldn't want to see such an argument made anymore, but back in the day, this was the argument that was made. And is it cohesive or not, right? And this is perhaps something that relates back to this earlier point to how do we build cohesion? That's of course something that the city can do a lot about. And Sophie Thibault mentioned some things there. I'm very glad to see that in Montreal and in Quebec overall, the state takes a more active role in strengthening communities and interactions between people than in the US. In the US, these spaces are more and more privatized. And the few institutions there are that poor people can use, like the library,
then become completely dominated by poor people. You know, like middle class people in the neighborhoods that I studied are mostly not comfortable using the library because it's essentially become a center of social work where homeless people spend most of their time. And I think that's a good thing because they have no other place to go. But it also means that middle class people will not want to go and take their children there. So creating these kinds of spaces where we can create some cohesion and have people talk about these issues is, I think, absolutely critical. The connection here between what are we concerned about, the perception of crime or crime period, is also fully accurate, I think. So the gentrification critics knew that the best possible outcome would be to convince gentrifiers that crime isn't high, so we can have social housing because crime is not that high, it's not so much of an actual problem. But there were no conversations in that sense. There were shouting matches, there were protests, right? And for that reason, those who knew the facts about crime were not successful in communicating that to the people who needed to hear that message. So the polarization of those neighborhoods made it very difficult to do so. So the civility had gone out of the window so far that the conversations that would have helped to create this middle ground between people were just not feasible. And I do think that it should be possible to have a neighborhood that's safe and socioeconomically diverse. There is no contradiction between these two things because there is no straightforward correlation between crime and a class composition of a neighborhood. Well, thanks so much, everyone. This has been very stimulating, and the organizers have let me know, obviously we see need to have some kind of a follow-up event because there's so much left to talk about. Thank you so much, everyone, for your fantastic engagement and for our audience that has followed along and stayed with us, even though we've gone over time. So thanks, everyone, and that's it. I don't know if Kim has a last word they'd like to say. Perhaps Nick or Stefan. Nick Luca ici. A grand merci à tous les panélistes. Very warm thanks to the panelists who've given us so much to think about. And also, I would like to thank Philip for fabulous moderation and animation as well. I wish you all a very good week. Thank you very much, everybody. I'll be in touch.